T'as vu que TFT, le fameux mode échec de Riot, va devenir un jeu e-sport? Connais pas. Je connais pas du tout, je sais même pas ce que c'est. TFT, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais. Peu importe, hein, écoute, tant mieux. Hein. Plus les jeux deviennent e-sport, mieux c'est, parce que plus ça augmente de leur cote. C'est encore la nouvelle tueuse. Terrain de la casse, c'est un très bonne map pour la tueuse. J'ai pas pu sauver. Non, j'étais réactif. Hein. Ah là, mon gène retombe à zéro. On va tout rejouer, je pense. Ça va être dur là. Nice. J'allais tout droit, j'ai bien joué. Sans montrer où j'allais. Mais c'est quoi ça? Mais y a pas la distance là! Je suis toujours choqué par ces actions. Tout droit, hein. Je la joue tout droit. Hein. Je cherche même pas à comprendre, je la joue tout droit. Hein. Pourquoi j'ai pas pris du 8? J'aurais dû le prendre là. Oh, mais la tenace! C'est pas possible! C'est quoi ça? Mais. Oh GG, merci pour la protect. C'est abusé! Et la tenace ou un truc? GG en tout cas, elle joue bien. Rien à dire. Putain, c'est dommage. Je voulais tellement économiser, j'en ai marre de viser toutes les palettes de la map. Salut Kikouf, ça va et toi? On fait pas assez les gènes, on veut trop save. Là, faut me relever en fait. Faut me relever en fait. Faut me relever en fait. Bien, bien Tom, bien, bien. Alors qu'ils auraient pas dû essayer de protéger. Dommage que personne n'était split sur les gènes parce que j'avais quand même bien joué, je trouve. Ouais, j'ai que un gène au final. Mais je la vois pas. Le 4 tiers, hein. Putain. T'as l'écran 4 tiers là, tu la vois un hein, demi-touré. Hein. Moi je pouvais pas la voir. Impossible. Elle est trop petite, elle est pas au-dessus des loupes. On peut pas la voir. Trop dur à loupe hein, ce perso. Trop trop dur à loupe. Rien à dire. On n'arrive même pas à faire un gène, c'est difficile, c'est un truc de ouf. Oh là là, mais elle casse jamais une palette. Je comprends pas pourquoi. On comprend pas trop son gameplay, hein. Y a rien à dire, c'est bizarre. Hein. Tu peux pas me la mettre là, c'est impossible. Non, t'as hit trop tôt en fait. On fait pas les gènes, c'est dommage. Faut qu'on fasse les générateurs. C'est un problème, quand moi je suis Chase, je sais que les gènes se feront pas quoi. C'est le gros problème que j'ai. C'est pour ça que j'aime pas trop être Chase en ce moment, parce qu'à chaque fois que je suis Chase, bah y'a pas les gènes. Chance. La chance à fond. Vraiment de la chance là.
Je fais que des moves à la con, j'ai trop de chance. Nice. Je me suis écarté suffisamment pour pas prendre le hit. Il y a la cave ici, faut vraiment que je fasse attention. C'est la cave. Hein. Ok, belle protect. Elle veut que moi. Hein. Ouais, pour l'instant, très belle chaise, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ils ont fait les générateurs aussi. Nice, parfait, bien, bien, bien. Là, ils ont bien joué, c'est cool. Ça a mis un peu de temps et tout, mais parce que moi, je suis trop dans l'idée en mode rentabilité, parce qu'on sait jamais vraiment sur qui on tombe, si on tombe contre un très fort tueur ou pas. Et des fois, on a l'impression que le tueur peut être monstrueux, et en même temps, des fois, on se dit que le tueur, il y a moyen de le loop. Et lui, au début, ça me paraissait difficile de le loop, donc s'en est bien sorti, on a bien tenu, ça fait plaisir. Hein. Oh, Tom a été safe flash, magnifique, magnifique. Ortiz, il prend des risques, hein. Il est P3, c'est le seul qui a été hook. Ouais, ça, ça va partir sur YouTube et ça sera je dois loop l'artiste. Bonjour. Oh le deadard incroyable. Oh, je pensais pas qu'il allait bien deadard. C'est insane. Ah oui, il doit se tenir des segments de santé. Aïe. Hello, je viens juste d'arriver, sûrement que tu en as déjà parlé, mais du coup, ton avis sur l'artiste? Bah écoute, salut à toi, Omaizouz, j'espère que tu vas bien, et pour l'instant, j'ai pas spécifiquement d'avis, j'ai l'impression que ce perso, quand il est très très bien maîtrisé, il peut être monstrueux, et en même temps, s'il est pas maîtrisé, bah il peut être à chier, tu vois. Un peu en mode Nurse, ou je dis pas que ça a le même gameplay que la Nurse, pas du tout, mais en gros, ça me fait penser à l'idée de me dire que quelqu'un qui va jouer Nurse et qui sait pas la jouer, elle va rien faire de la game. Et quelqu'un qui va jouer Nurse et qui sait la jouer, elle va défoncer tout le monde. Et ben ce perso, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si le perso... La personne sait pas la jouer, bah elle fera rien du tout. Et si la personne sait la jouer, elle peut faire très très mal. Je sais pas trop, pour l'instant c'est l'avis que j'ai, mais j'ai pas encore affronté suffisamment de fois l'artiste, et ni contre des très très bons joueurs non plus, pour vraiment estimer si elle est très forte ou pas. Je pense que il y a moyen d'un counter très simple de ce perso, ça reste le basique tout droit boy, en mode, quand elle arrive sur toi, déjà t'essayes de prendre le hit le plus tardivement possible. Et quand tu prends le hit, au lieu d'essayer tous les brains du monde sur un loop, tu t'en vas tout droit, tout droit, tout droit. C'est vrai qu'elle a raison, elle dit qu'il y avait vraiment trop de palettes et trop de fenêtres bonnes. Et elle a raison, il y avait vraiment des très très bonnes palettes et fenêtres. And this guy with... Qu'est-ce qu'il dit? This guy... Attends. Attends. With the subtitle speedhack as well. Quoi? Elle dit qu'il y a quelqu'un qui speedhack. Oh là là, la mauvaise foi. Oh, la mauvaise foi. C'est quoi subtitle? Ça veut dire les sous-titres? Ça veut rien dire. C'est quoi subtle? Ah bon, on va se faire déchirer Genzo comme à chaque fois qu'on l'affronte. Hein. J'ai pas tout compris mais... J'ai pas tout compris mais ouais, c'était marrant.